capitaine et les grands amiraux, ici Starcade votre hôte, et nous nous retrouvons pour une vidéo du premier de la classe avec en vedette sur World of Warships bien sûr Japlou du clan ADML dans son croiseur rang 7 York allemand. Je rappelle, c'est un croiseur lourd allemand, le York, avec un C et entre le R et le K. Et oui. Donc, on va voir un peu comment ça va se débrouiller. Alors, est-ce que je vais avoir la main ou pas? On dirait que non. J'ai encore un problème de main. J'arrive pas à prendre la main. J'arrive pas à prendre la main sur la bataille pour aller voir des choses. C'est un peu dommage. Non, contrôle. Alt. Non. F1, F2, F3, F4, F5, F6, ça ne fait rien. Bon bah écoutez, on va mettre les noms des navires alors, si on peut. Voilà. On va augmenter un peu la carte aussi. On peut pas augmenter la carte. Eh bah ça tombe bien. Génial. Ajuster la minimap, non, bah non. Bon, voyons un peu ce qu'il va faire. Alors nous sommes sur voisin et bataille standard. Pourquoi je n'arrive pas à changer, je sais pas. Il y a des replays, j'arrive pas à prendre la main, et des replays j'arrive. On va comprendre Charles. Un petit Acosta en distance. Il faut commencer à tourner dès le début, sinon on est pris en cible tout de suite. Bon ça va, il est un peu loin quand même. Petite île tout près. On peut quand même viser le Fidji à 15 km, c'est bien ça. Alors la portée de tir, j'ai oublié, c'est 17-3 quand même, donc c'est une bonne portée pour un croiseur lourd de rang 7. Surtout dans une bataille où il est en rang supérieur, donc c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter le T61 là qui était devant. Non, il l'a raté. Il a tiré trop en avant parce que il s'est arrêté très très vite en fait, le T61. C'est un peu le problème des destroyers, c'est qu'ils s'arrêtent beaucoup trop vite. Et pour les viser quand ils commencent à lancer leur écran de fumée, c'est pratiquement impossible. York en vue. 7.4. Ah, il disparaît. Non, ça vaut pas la peine pour l'instant. Par contre là on a des cibles qui vont peut-être arriver. Non, non, c'est il y a la montagne. Je sens pas que tu passeras. Voilà, boum, sur la montagne. Il y a le monde Tekuchuli là-bas, là, c'est intéressant. On a aussi un Biscavica qui sait faire le tour. Ça a l'air sympa tout ça. Mais c'est un peu la musique aussi, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop forte. Voilà. Alors là, de la paix sur un pauvre petit Fidji qui avait rien demandé. Qui a fait l'erreur de rester totalement de flanc, voilà, bah 20 000 points. C'est 203 allemands, petit pote, hein, donc faut t'habituer. Hein. Joliment manœuvré pour éviter les coups. En fait, c'est du rang 5, donc bon, c'est pas non plus glorieux. À part le Fidji qui est des rang 7, hein. Fidji c'est rang 7. Donc là, le Fidji, bah voilà, boum, le Fidji s'est fait exploser. Je sais pas ce qui lui a pris au Fidji de rester de flanc comme ça tout le temps. Il a vu qu'il y avait un navire qui le visait, hein, donc bizarre. Montecuccioli lui, hop. On voit que le gars c'est quelqu'un qui est habitué là parce qu'il commence à tourner pour éviter de se mettre dans le en portée. Un Furutaka. Ouais, ça commence à venir par contre. Hein. T'avais un chasseur aussi, mais bon, pas grave. Ouais, c'est trop tard en fait, il aurait fallu le faire plus tôt, mais c'est pas grave. Alors, AP sur Furutaka qui tourne, mais pourquoi pas. S'il continue à tourner, il est mal, sinon ça va. Ouais. Montecuccioli, c'est pas rien, hein. C'est de la sap, et la sap c'est toujours un petit peu. C'est toujours un petit peu problématique pour tout le monde en fait. Et je prends mon café en même temps que je. Ouh, 5 sur pénétration, c'est dommage.
faut attaquer de flanc ou pas. Ah, il tourne un petit peu là, le Monte Cuccioli. Monte Cuccioli. Attention. Joli. Joli, il a bien anticipé le virage en fait. Ah, dommage, il y a une partie qui va être arrêtée par la montagne. L'équipe mode de 3-1. Pour l'instant. Tout semble aller pour le mieux. Pour notre ami. Il va très très lentement là, le Piotr Veliski. Hein. Ça a quand même touché. Hein. Et là, une surpénétration. Dommage que je ne puisse pas faire de vue panoramique autour. Piotr Veliki, en 42 000 points de dégâts, c'est pas mal déjà. Hein. Ça a dépassé de 10 000 ses points de structure à lui. Donc c'est une bonne partie déjà. Chardos détruit par le T61. Ok, oui, le fameux. Là, ça va être mieux à la cheveux, mais bon, il y a un tête, c'est Monte Cuccioli là-bas. Allez. Il est très précis le York, c'est impressionnant en fait. Oula, oulala, oulala. Et voilà. Quand il a tourné, j'ai dit les obus sont bien placés sur l'arrière en plus là. Juste au niveau des citadelles. Joliment joué. 50 000 points, navire détruit. Bon là oui, il fallait s'y attendre, il tournait. Les AP allemandes c'est pas de la tarte hein. Faire hyper attention. 3 partout par contre, et les ennemis ont repris du poids de la bête, ils sont à 386, ils ont détruit un navire plus important. Oui oui, t'as vu Trento, t'inquiète pas. Trento qui rend 6 je rappelle. Non, le York c'est un bon navire. Il n'y a pas tergiversé là dessus, c'est un bon navire. Là je préconiserais plus le de la cheveux hein, mais bon après chacun fait ce qu'il veut. Full local, Jaguar en arrière. Mais... Regarde un petit peu la situation stratégique. Non, bah les ennemis sont contenus et là ils poussent là ici sur le côté est. Donc ça va. On essaie de l'avoir. Non, il essaie pas d'avoir lui, il essaie d'avoir le Kotowski derrière. On dirait, ou alors le cuirassé. Ah, j'aurais préféré la cheveux, mais c'est vrai que là il y a une bonne chance de faire du dégât quand même avec la paix. Mais non, en pénétration ricochet, moi j'aurais préféré la cheveux. Hein. Au moins avec des chances de mettre le feu. Donc la poussée vers le sud tranquillement. Là je pense qu'ils sont tranquilles. De ce côté là ils sont tranquilles, c'est l'autre côté qui tiennent en fait simplement. Alors, les ennemis sont un petit peu dispersés malheureusement tout le long de leur. Alors que là il y a un groupe vraiment d'alliés là. Une espèce de ligne d'alliés qui avance hein. Incontestablement. Tiens attention pour Otaka, ouais. Qui est en train de se diriger vers le porte-avions. C'est assez dangereux. Très dangereux. Torpille. Ouh, le pieu de Veliki est mal. Quoique ça va, il passe. Mais leur pieu de Veliki à eux là est mal. Il s'appelle comment? Allez, Piotr Veliki là-bas, faudrait qu'il le finisse. Je sais pas quelle vitesse d'un Piotr Veliki, comment c'est difficile de se rendre compte comment. Attention. Non, malheureusement. Il a tiré un peu trop en avant, c'est arrivé sur la proue, je pense. Il devrait regarder où ça arrive. En regardant où ça arrive, tu peux anticiper après ensuite le plus possible. Otaka est visible, ça y est. Cet imbécile, c'est un venturier un peu trop. Ah, il veut le prendre par derrière, par derrière. Il voulait essayer de faire un encerclement, mais il a raté. Il s'est fait repérer tout de suite. Oh, joli. Par contre, oui, il doit se faire attention, il fait très mal avec ses 203 mm aussi. Mais là, je pense que voilà, boum, Trento. Et il a pas le temps dans ses torpilles parce qu'il n'était pas anglais comme il fallait. En fait. Enfin, on dit anglais, mais il était pas orienté comme il fallait. Ah, bah, si, quand même. Il a réussi. Salaud. 5 à 3, ok. Enfin, c'est un peu suicidaire la part du Furutaka là. Franchement, je l'aurais plutôt vu résister ou aller de l'avant là par là-bas là.
au niveau des, de l'émeralde et du König. C'était un peu osé ce qu'il a fait. Hein. Donc la 5 à 3 pour l'instant avec une bonne possibilité de gagner. Enfin, la possibilité de gagner augmente là, largement. Attention. Ouf, dommage, dommage. C'est vraiment dommage. Bon bah c'est là d'être tranquille pour l'instant là. Ils en sont à 7. 6 à 3. 6 à 3 ouais, ils ont pratiquement la tout gagné. Par contre ce qui m'étonne c'est pour l'instant c'est pas du tout le niveau d'un premier de la classe, donc je vois pas ce qui va. Ce qui... Ah bah. Ouh, 6 à 5 ils remontent les ennemis. Attention. Ouais, du cover. Si l'harcèle du cover, c'est bon. Il peut se faire tranquillement. Il peut farmer un peu le cover. Parce que celui-ci ne s'occupe pas du tout de lui, donc enfoiré. Excellent. C'est là qu'on va peut-être voir que la différence avec ce qu'il va faire. C'est toujours pareil, c'est une bataille n'est jamais perdue tant que la passe n'est pas prise, les points sont pas atteints ou les navires ennemis sont pas tous détruits. Ouais, ça continue à monter. Ah ça, un chargement à 10 secondes, c'est... Bien joué au niveau de l'évitement là, enfin du esquive des tirs du König, parce que là franchement c'était chaud. Hein. Ah dommage. Très très dommage. Oh, j'ai pas vu qu'il avait mis le feu. Je me souvenais pas, j'ai pas compris. 2408. Pour l'instant c'est serré quoi, 7 à 6 pour l'équipe amie. Au niveau de la base je pense que ça marchera pas en fait, ils pourront pas prendre la base. Je pense pas en tout cas. Hein. Le jeu est bien caché derrière son nid là-bas, ouf. Fasse très très gaffe là. Le König peut l'éradiquer en une seule salve. Hein. Donc, ce König là est mal. Heureusement que le du cover a été détruit, sinon il aurait pu récupérer... Ah bah voilà. Alors ce qui est bien c'est d'avoir un petit peu d'hydro, c'est ça. Ils ont essayé de prendre la base quand même, hein. Ils ont essayé de faire un peu pousser vers la base. Hein. Bon, évidemment c'est énervant d'avoir un... Ouais je pense pas qu'il soit à distance, trop loin pour les torpilles. Torpilles c'est combien? Je me souviens plus. Je crois que c'est du 6 et torpilles du... je crois hein. Torpilles... Détectabilité, d'action de torpille, tout c'est où ça, une torpille secondaire. Voilà. Ah voilà, 6 km, 6 km je pense que ça s'arrêtera avant. Oula, il y a deux destroyers. Non, il y en a un seul. Il n'y a qu'un seul normalement. La casta, c'est ça, ouais. Non, c'est raté, les deux torpilles, les deux torpillages sont ratés. C'est dommage pour lui, il est visible à fond là, en plus. Ah oui, c'était donc un nuage de fumée anglais, donc il restait très peu de temps. Donc il a été obligé de prendre la fuite, caché derrière son île, mais prendre la fuite quand même. Voilà, c'est trop mauvais pour lui, Ouah, dommage. Voilà, c'est bon, il est fini. Adieu.
Allez, du 203 mm en HE sur un destroyer par un croiseur lourd. C'est chaud. Bon, 97 000, 3 navires coulés, ça va. Elle est propre cette guerre. Mais c'est pas fini. Ouais, ils sont quand même à. Fou, ils sont quand même à 8 à 7. Pour l'équipe. Ami. Attention. Encore un feu, allez, deux feux. Ouf, il peut pas les éteindre pour l'instant. Oh, alors par contre là, citadelle. Ça va pas bien ça. Ça va pas bien. Bon, il a pris des risques, c'est normal. C'est bon, il est caché, il risque pas grand chose. Bon, ils ont gagné normalement. Le Rigio a détruit le Koenig, hein, on est 4 à 4. Hein. C'est toujours pas gagné finalement. Hein. Ça, tout peut tourner à cause du Rigio en fait. Et du navire, d'ailleurs du Weather, c'est un Weather je crois. Ça ressemble à un Weather. En tout cas un porte-avions allemand. Mais c'est un Rigio, ça peut être qu'un Weather de toute façon. C'est du rang 6. Non là je conseillerais plutôt le... Là je suis, ouais, ça, c'est bon. Ouais joli. Dommage, c'était bien visé quand même. Attention. Flap. Eh bah ben voilà, encore deux incendies. Oh putain, le mec peut pas les arrêter. Il peut pas les arrêter. Oh c'est chaud. Le Trento a eu lieu, le York ennemi, donc c'est bon là, ils ont gagné. Ah, le Kotowski était détruit, j'ai rien dit. Mais il y a encore possibilité qu'il gagne pas. Hein. Là, il peut se faire détruire facilement avec 6000 points de structure. Qu'il fasse hyper attention quoi. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Deux incendies qui ravagent encore le navire. C'est bon, il a manqué. Ouh, il peut l'avoir à l'incendie, il peut le ronger. Ah puis le Weather va l'avoir au torpille, c'est bon. C'est fait. 131 000 points de dégâts. 3 minutes qui restent. Normalement c'est bon, ils ont gagné. Logiquement ils ont gagné. Sorry, I am internet bad. Là il est bon, le porte-avions est à l'abri, le Weather. Le Trento est là-bas aussi, il doit avoir une bonne structure. Il reste qu'un destroyer et un porte-avions donc, en face. Ça devrait le faire. Il n'y a plus grand chose, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. 2 minutes 30 et il capture la base en plus. Voilà, ça ne sera pas capturé à la fin des 2 minutes, c'est pas possible. C'est simplement pas possible. Trento a détruit le 361. Ah, on lui a détruit le Trento. Excellent. Il reste plus que les deux. Alors faut qu'ils échappent à l'aviation lui. Il faut à tout prix qu'il échappe à l'aviation, mais en fait le Weather normalement va pouvoir trouver et détruire le Rigio. Ah oh, quoique il peut même essayer de l'avoir hein. Il peut même essayer de l'avoir, mais c'est pas lui qui l'aura. Si c'est lui qui l'a, enfin c'est lui qui s'est détruit le Rigio, c'est pas lui qui l'aura. Mais je pense que ça, la bataille va finir comme ça en fait. Jolie bataille où il n'y a plus que 3 survivants quoi. Ça c'est le genre de bataille où t'aimes bien survivre en fait. Parce que c'est une bataille où t'as senti, même si tu perds, t'as senti toute l'émotion de la bataille en fait. Et t'as survécu donc t'es assez fier, même si tu perds. Et c'est la bataille dure longtemps que je parle hein. Pas une bataille de 10 minutes hein. Pas une bataille de 5 minutes ou 6 minutes quoi, où tout le monde se fait rouler dessus. Non, là c'est une belle bataille. Il y a eu un bon consensus. Oh oh. Oh oh. Alors là par contre, ça c'est mauvais. Par contre, je crois que sur des roquettes, il faut tourner ou il faut se mettre totalement. Alors que les bombardiers, eux, faut se mettre de flanc. Les roquettes, faut se mettre totalement en enfilade en fait. Chaud les marrons. Très chaud les marrons. AP York. Ouais, AP ou pas AP, on s'en fout, il y a des 45 secondes. Il y aura pas le temps de venir et de torpiller en fait. Et même s'ils arrivaient à le torpiller, ils auraient perdu la bataille à cause des points. Donc c'est bon. Allez, on tourne.
27 secondes. S'il se prend une torpille, il est mort. Oh, oh, elle est mal, elle est bien placée, celle-là, elle est bien placée. Oh putain. Ah non, c'est bon. Il n'y a pas de voie d'eau. 11 secondes, 10 secondes. 7, 5, non, il ne touchera pas. 4, 3, 2, 1. Il commence à torpiller, mais ça marche pas. Dommage. Bah, très jolie bataille, mon ami Japlou. Et moi, je vous donne rendez-vous à une autre vidéo. Allez, ciao, petits amiraux et grand capitaine. Bye bye.